Enregistrement, ça fera une petite vidéo, mais c'est pas grave. Ok. Le problème, c'est que on est encore rendu à des toutes petites armures. Donc on va dire qu'on charge pas très vite. Puisqu'on peut pas vraiment avoir de gros générateurs en ce moment. C'est pas très très rapide pour charger. Voilà, j'ai enfin mes robots. J'ai enfin mes robots. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Pas grand-chose pour l'instant. Pas grand-chose, pas grand-chose. Bon, en tout cas, je vais aller. Je pense que je vais commencer sur les panneaux solaires, trouver une belle petite zone pour les installer. Je vais commencer à faire ça avec les robots que j'ai sur moi. Ça devrait pas être trop compliqué. Hop, peut-être me prendre quelques robots supplémentaires sur le coup. Voilà. Ça charge pas très rapidement encore. Si je peux avoir quelques panneaux solaires de plus. Hop. Et juste 46, là on a 500, c'est un petit peu mieux. Panneau solaire, c'est bon. Alors si ça pouvait charger légèrement plus vite. Voilà, la batterie commence à charger, c'est pas rapide, hein. C'est pas rapide du tout. On peut faire les recherches des nouveaux. Des nouveaux. Oh zut, les postes électriques. Ah ouais, on pourrait très bien. Pour les panneaux solaires, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ouais, t'as raison. Quoi qu'ils vont coûter assez cher, pourquoi je peux pas les cliquer? Ah ouais, Parce ok, ils que sont c'est déjà dans cette partis. chat. Voilà. Je suis pas assez rapide. Mais voilà, ok, c'est bon. Bon, je sais pas si on aura les moyens de les mettre, par contre, parce qu'ils coûtent un peu cher au début, donc au pire, ça sera pas le plus efficace en termes de place, mais c'est pas la fin du monde. Voilà, puisqu'il coûte quand même 5 circuits électroniques avancés à chaque fois. Mais voilà. Donc, va faire ça. Oups. Voilà. On va placer la petite lampe. Cela ira ici, c'est bon. Non, la petite lampe va pas là tout à fait. C'est ici et la petite lampe. Voilà. Ça fonctionne. Hop. Le petit design tout simple hein, pour l'instant. Alors le petit livre de plans. Voilà. Parfait. Hop, c'est pas tout à fait comme ça. Il y a une petite erreur pour lui. Voilà. Alors, mes robots sont pas très rapides, mais ça c'est normal. Et pourquoi il y a eu un petit décalage quelque part? Ah ok, il y a un petit décalage. Où ça? Ah, en haut ici. Ok, construire sans machine avec les robots, je suppose. Je sais pas exactement ce que c'est. Ramassez-moi ça. Bien entendu, j'ai pas trop de batterie encore. Donc c'est pas génial pour les recharger. Hop. Voilà. Hop. Voilà, ça fera une petite source d'énergie, c'est pas énorme, hein, mais ça sera déjà un début. Voilà, combien on produit avec ça? 3 kW. 6 kW quand même, c'est pas pire. 6 kW, c'est raisonnable, on va dire, pour une petite zone.
Voilà. Ah, c'est ça que je vais ouvrir. Allez, les plans, vous allez dedans. Pourquoi est-ce que mes robots veulent pas le placer? Ok, ils manquent tous d'énergie. Parce que je charge pas assez vite. Allez, venez, vous êtes capables. Ah. Voilà, je vais récupérer direct, ça sera plus simple comme ça. Et tac, voilà. Parfait, ça c'est bon. Allez, venez les robots. En plus, on approche de la nuit, donc ça recharge encore moins vite. Alors moi, il va vraiment me falloir une meilleure armure que ça. Hop. Ça, c'est bon. Ok, pour l'instant, tout va bien. Donc, les robots, au moins, ça marche. Des petites zones électriques qu'on va installer un peu partout. Essayer d'utiliser un peu moins... Je dis bien un peu moins de turbines à vapeur. Quoique pour l'instant on n'en utilise pas la moitié là, mais tout de même. On pollue quand même énormément. Ouais, on a de la marge en ce moment sur l'électricité, ça c'est certain. Mais on pollue quand même énormément, donc ça c'est pas génial pour se faire attaquer en continu. Il va bientôt falloir partir vraiment pour avoir plus de matériaux, donc sûrement se faire une ligne de train jusqu'au nord, voilà où il y a les 3-4 beaux spots de fer. Parce que le cuivre, tout ça, je pense pas qu'on ait de problème. C'est vraiment pour le fer et l'acier qu'on a un petit manque en ce moment. Le charbon, on n'a pas de soucis. Pétrole, on devrait pas. Ouais, charbon du coup avec les combustibles, c'est au taquet. Ouais, voilà. Exactement. Pourquoi est-ce qu'ils se ramassent pas eux? Voilà. Récupérer mes robots. Ouais, voilà. Les robots, ils rechargent pas trop en ce moment. Ok, donc ça c'est bon. Je vais rajouter des petites zones électriques un peu partout. Ben voilà, solaire plutôt un peu partout. Comme ça on aura un petit peu plus d'énergie renouvelable, ça sera bien. Et ensuite, il faudra partir vers plus de fer. Voilà. Ça sera peut-être une autre fois, je ne sais pas exactement. Les 5h30, donc les 11h30 en France quand même. Maintenant que j'ai la version, je la mets où? Comment ça, tu la mets où? Tu l'installes? Je comprends pas. Tu la mets où? Normalement, bah, tu devrais pouvoir rejoindre le jeu. Peut-être que tu auras mettre tes mods à jour sur le coup. Mais ça devrait être à peu près tout. Voilà, je... Si je dis pas n'importe quoi. Ou que c'est long à recharger. Alors Frontard, je sais pas comment tu fais pour utiliser autant tes robots, mais moi je suis en continu en train de recharger et ça marche pas du tout. Ah, je sais pas. Les panneaux chargés un petit peu tout à l'heure. Ouais, ah ok. T'as combien de panneaux dans ton armure? 5. 5 ? Pas beaucoup pourtant, j'en ai 7. Voilà. Kung Fu Poney rejoint la map. Voilà, ça marche. Ça va prendre 2 petites secondes, mais au moins ça marche. Ça ici. Ouais, étonnamment, il y a assez d'eau qui arrive de l'autre côté. Ok, ça m'étonne. Ça m'étonne qu'on puisse en mettre 20 comme ça avec juste vraiment beaucoup de chaudières. Je pensais toujours que c'était limité à 10. Voilà, on en apprend comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut partir en recherche? J'aimerais bien avoir module de capacité bof, pas vraiment. Capacité de transport, vitesse des robots ouvriers. Ouais, pourquoi pas, ça va être utile quand même. Alors, Bartus est parti se battre, faut croire. Ouais. C'était trop pressant à gauche déjà. C'est trop pressant, d'accord. Bon, par contre, il faudra partir en haut tantôt. Voilà, salut Kung Fu. Il faudra partir en haut pour nettoyer le
tout autour des zones de fer qu'on ira prendre. Mais je vois, est-ce que tu peux regarder, je sais pas si tu peux le voir où t'es, mais en bas à gauche de toi, si les dépôts de pétrole valent le coup. Ou s'ils valent pas trop le coup. Parce qu'il y en a quand même énormément. Bah, où c'est rempli d'ennemis là? Ouais. Je sais pas si tu peux t'approcher autant, hein, mais... Ah, voilà. Frontard prépare les prochaines zones électriques. Voilà, alors j'efface. Et je vais l'aider à préparer tout ça. 50% de moyenne de rendement. Ouais, c'est moyen. C'est très moyen. Ouais, mais je crois qu'ils sont pas plus gros que ça hein, sur cette map. Oui, c'est vrai. C'est sûr aussi qu'ils sont pas très très gros sur la map en général. Mais c'est quand même pas énorme. Il va me falloir les postes électriques maintenant. Vu qu'on est rendu à les utiliser. Clac, voilà, ça va partir là. La production. Voilà. Belle petite production. Maintenant qu'on a une défense dans cette zone, ça serait correct. Voilà. Et de ce côté-là, supprimer tout ça. C'est une belle base là qu'il y a ici. Hein. Ah, vache. Ouais, de ton côté, elle a l'air plutôt jolie la base. Voilà, ça c'est bon. Ah, maintenant mes robots ont besoin de se recharger sur le coup. Je pourrais plus rien faire jusqu'au lendemain. Est-ce que j'ai assez de tout? Non, j'ai pas vraiment. Il me reste plus beaucoup de transformateurs. Ça devrait quand même un petit peu marcher, voilà. Donc plus qu'à le relier au reste de l'électricité. Et voilà, ici. Sauvegarde. Ah. Quelqu'un d'autre qui rejoint le jeu. Par contre, j'arrive pas à voir le nom. Le nom est caché par mon logiciel d'enregistrement. Et voilà, plus d'électricité, mes robots ne peuvent plus se recharger. Alors, je vais tout placer à la main. Voilà. Arcon, salut, bienvenue dans la partie, voilà. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Placer les derniers postes électriques qui manquent. Ça a l'air d'être à peu près bien parti, c'est bon. Voilà, c'est bon. Petite source électrique supplémentaire, on est rendu bon. Là, je peux plus vraiment voir à combien on est rendu. Sur une minute, voilà, une heure. Ouais. On peut voir qu'on commence à avoir une petite production électrique, mais pas énorme encore. Alors, on se fait attaquer quelque part. Je sais pas trop où. Alors, Arknon et Kung Fu Pony, vous pouvez aller vous chercher en bas. Il y a tout ce qu'il faut, je pense, que pour vous faire des armures modulaires. Voilà, commencer à faire des petits trucs du genre. Vous devriez pas avoir de problème. Et ensuite, bah, je vous laisse voilà, explorer un petit peu. Vous devriez facilement être capable de trouver quoi faire. Ah ouais, Bartus a déjà détruit toute la base ennemie. Joli. Très joli. Et ensuite, bah, si tu viens m'aider, on pourra aller... Là, tu fais un petit avant-poste ou un radar? C'est ça. Avant-poste. Ouais, quelques petites défenses. Ok, c'est bon. Alors, si tu veux, ensuite, on pourra monter
le plus nombreux possible, je pense. On se fera vite. On montera en haut avec des tourelles tout ce qu'il nous faut et on nettoiera les quelques bases et on se prendra les avant-postes de fer. Ça, je pense que ça pourrait être bien. Comme ça, on devrait être à peu près à. On ne devrait plus manquer d'électricité. Bon, pas d'électricité, de fer pour les prochains épisodes comme ça. Voilà, ça il en manque un peu. Et voilà. Ouais, encore des petits problèmes de recharge. Voilà, petite sauvegarde. Ok, parfait. Petite avant-base qui a fait bon. Ok, ici. Oh! Nouvelle petite attaque. Et c'est horrible. On est deux pour faire une cinquantaine de panneaux solaires et on a de la difficulté à les terminer. Aucun de nous deux a de l'électricité. Ok, lance-flamme, tout ça c'est bon. Les munitions sont bons, donc ça j'aurai pas de problème à attaquer. Par contre, j'ai pas un gros bouclier et j'ai pas vraiment non plus. Ma batterie elle charge pas trop. Ok, voilà. Ça peut sortir plus facilement. Voilà. Voilà, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Parfait. Voilà. Je récupère mes robots s'ils veulent bien rentrer un jour. Voilà. Et maintenant, on se fait quand même bien attaquer de ce côté. Ouais, je comprends pourquoi Bartus était parti, pour attaquer ce côté-là. On s'est bien fait attaquer. Mais je voyais pas si loin en fait. Voilà, ok, c'est bon. Donc si t'es partant, on peut direct monter en haut. J'ai trouvé des tourelles. Ouais. De toute façon, il faut que mon armure recharge un peu. Alors moi aussi, je vais peut-être me prendre quelques tourelles, quelques munitions, des rails, tout ça. Et je devrais être bon. Oups, pas me coincer là. Alors, des rails. Ouf, les rails, par contre, je pense qu'on en produit assez. Voilà, deux stacks de rails, ça devrait être bon. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? C'est ici, je prends quelques coffres. Des munitions. Hop, quelques petites munitions. Et il va me falloir des tourelles. Alors, hop. Ouh, c'est passé proche. Arcon qui s'est presque fait écraser. Et les tourelles sont là. Voilà. Quelques tourelles. C'est parti. C'est parti. Donc tous ceux qui se sont... qui sont prêts pour une petite attaque, voilà. On peut y aller. Ok, parfait. Alors, Bartus, j'ai toujours la difficulté à le voir. Il est camouflé à chaque fois. Noir sur noir. C'est pour pas que les biters me repèrent. Ça doit être ça. Je trouve plus les tourelles. Les tourelles sont à gauche des circuits rouges. Juste en dessous des panneaux solaires, etc. etc. Ouais, par contre, je pourrais pas prendre gros tir. J'ai pas d'armure encore. Au pire, je me remets mon armure lourde. Voilà,
Je vous attends en haut. Je vous attends en haut. Ici, on est rendu à combien pour l'électricité? 37 MW, c'est quand même pas mal. Accumulateur, bon, presque rien pour l'instant, ce qui est normal. Mais on consomme pas grand chose la nuit, et ça c'est plutôt bien. Ah, j'ai oublié une tourelle. Ah, le jour plutôt. Oups, bon, c'est pas grave. Ça fait peur ce bruit à chaque fois. Bon alors, Bartus vient. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui nous accompagnent? Ouais, Arcon. Et Vivienne aussi, voilà. Alors, par contre. Le mode aircraft, comme ça on a tous un avion chacun, et super vite. Ça pourrait. Hop, juste. Partir une nouvelle recherche. Ouais, armure de puissance niveau 2, ça sera bien. Ouais, j'en ai besoin. Voilà. Non, les Jeep lance-flammes, c'était marrant, ça aussi. un peu trop bourrin. Et les tanks de MK4, c'est intuable. Ah, ça, j'ai pas essayé. Voilà, bon, je suis un peu efficace, hein. Voleur de tourelles. Ouais, bon, honnêtement, tout ce qu'ils ont récupéré, c'est les munitions rendues là. Non, je voulais plutôt récupérer tous les artefacts, moi. C'est ça que je recherche vraiment. Attends, c'est... Attends, Arcon, je vais juste te donner... Tiens, bouge pas, je vais te donner quelques munitions. Puisque j'ai vu que t'en as plus. Voilà. C'est sur moi que ça va, les trucs. C'est mes robots qui partent en même temps, quand tu donnes l'ordre. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, j'en ai ramassé 220, c'est correct. C'est correct, y a pas de problème. Attends, juste pour t'énerver. Hein. T'es en train de niquer ma batterie, quoi. Si tu meurs en combat, t'auras le droit de dire que c'est ma faute. Ok, c'est parti, on continue. Hop, ouais. On va aller en haut direct. Alors, reculer de la forêt par contre. Ça va nous nettoyer le passage pour tantôt. J'ai oublié les tours la dernière fois ici, tiens. Ah bah oui. Un souvenir. Voilà, c'est nettoyé. Oh là, il y a un bon camp là. La grosseur du truc. Ouais. Et doucement quoi. Ouais, tout doux. Attends, laisse-moi le temps de récupérer mes tourelles. Hop. Alors toi tu y vas direct. C'est bon. Je vais arriver, il n'y aura plus de base. Bon, c'est bon, elle est quand même assez grosse. J'ai le temps d'arriver. Il en restera un quart. Voilà. C'est quand même efficace, hein, pouvoir mettre des tourelles comme ça à 200 mètres. Faut en profiter, hein, parce que du coup, ça va pas durer. Oui, c'est sûr. Voilà. Bon, après, 5 secondes, tu fais
tu les places assez loin. Ouais. Une fois qu'elles sont OP, tu ramènes les haters quoi. Exact. Exact, exact. Bon là, il y a tellement de tourelles partout. Hop, quelques tourelles à réparer. Parfait. Ben voilà. Je suis à peu près nettoyé. À peu près. Il reste quoi, une petite base à gauche, à droite. Voilà, brûler 10 000 arbres. Moi, je suis un petit peu de pollution avec le feu que j'ai lancé. Ouais, il y a une production de panneaux solaires, mais si tu veux, maintenant que tu es sur la partie, tu peux poser question directement sur Factorio, voilà, et ça sera peut-être plus simple, ou sur Discord, voilà, comme ça je le verrai un petit peu plus vite, parce que sinon il faut que je regarde à côté, voilà. Voilà, il y a quand même un beau petit feu, ouais. La forêt est encore en train de brûler. Et il reste encore des tourelles partout. Il reste encore des toiles partout. Bon, vous avez presque tout nettoyé. Ah, voilà. Tué par un wagon de marchandises. Fallait que ça arrive. Voilà, nettoyé. Alors je serai quand même parti avec 2000 munitions et je vais revenir avec 1000 max. Comme quoi ça les bouffe bien les munitions. Voilà, ça c'est nettoyé. Et voilà, j'ai brûlé une forêt en entier. Par contre, le fer est pas énorme hein, en dessous. Ça, c'est plutôt dommage. C'est plutôt dommage. J'ai lancé la production du module de vitesse. Ok, parfait. Avec les drones. Très bien alors. Quoi, mon ordi fait du bruit, je sais pas, c'est une bonne question. Il reste encore des petites toiles un peu partout là. Où est-ce qu'il en reste? Bon, c'est correct, puis on peut laisser cela. Donc je pense que je vais aller nettoyer les petites bases en haut encore. Voilà. Je n'utilise plus du tout mes armes sur le coup. Plus du tout. Cette base, est-ce que... Ouais, bon, je peux la détruire. Ouais, ouais. Pas de problème. Ok, parfait. Alors, je vais vous attendre un petit peu. Au cas où, on sait jamais. Ça c'est bon. Voilà. Voilà. Nouvelle petite rangée. Et c'est à peu près nettoyé. Voilà. Voilà. Plutôt rapide. Et il y a deux autres belles bases à côté.
Allez, les robots. Après, je sais pas si ça vaut le coup qu'on nettoie aussi haut. Ouais, non, non, je pense pas. Je pense pas que ça vaille le coup. Mes robots. Ils sont pas très utiles, ils font juste ramasser les munitions. Voilà. Ça c'est à peu près correct. Bon bah Arcon il y va. Il est parti pour en tout cas. Voilà. Ça c'est parfait. Ok, j'ai pas de tourelle endommagée, donc ça c'est plutôt bien. Et je vais directement aller voir les petites zones de fer qu'on a, voir ce qu'on peut faire avec ça. Sans jeu de mots. Voilà, sans jeu de mots. Aucun jeu de mots. Je l'avais pas vu avant que tu me dises qu'il y avait un jeu de mots. Alors on a de la pierre, on a une petite touche de cuivre. Je suis en train de mettre en place les robots esclaves. Les robots esclaves. Logistique. Ah ok, ouais ok. Ok ok. Ok parfait. Ramasser tout ça, recharger les petits robots. Voilà. Alors c'est pas des très grosses zones hein, pour le faire. On va se dire direct c'est assez petit. Et là on se fait attaquer en bas. Ouais. C'est pas génial génial. Une munition. Limite faut essayer de se faire un chemin pendant les 5 mines qui sont ici. Avec un seul train. Ouais, c'est ça que je pense aussi. Parce que une seule vaut clairement pas le coup. Même les deux qui sont là valent pas vraiment le coup ensemble. Donc ça sera déjà ça. Il manquera à nettoyer voilà, les autres à côté, tout ça. Je sais pas si on fait. Je suppose qu'on l'amènera au four qu'on a déjà. Ou sinon pour. Non, non, quoique ces fours là tournent déjà à fond pas mal. Donc il faudra une nouvelle zone de four. En bas non, en bas ils sont loin d'être à fond. Hein. Bah ils sont pas tout à fait à fond mais proches, voilà. Donc on pourrait pas rajouter tout ça non plus. Et en même temps si on se prend un petit peu de charbon à côté, ça serait pas mal je pense. On pourrait se faire une zone de four dans ce coin là, ça serait pas mauvais. Et voilà. Oups. Allez, petit échange. Là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Les drops sont encore corrects. Je sais pas pourquoi j'ai eu autant de drops aujourd'hui. Voilà, bonne question.